Ça fait vraiment super plaisir. Bon, après, je sais pas si tu regarderas cette vidéo là, mais bon, c'est pas grave. Je vous explique quand même vite fait. J'ai un petit rituel, c'est qu'en fait, à la fin de chaque mois, je vous montre les créations que j'ai effectuées durant le mois. Enfin, à la fin de chaque mois, c'est plutôt au début de chaque nouveau mois. En fait, là, on est au mois de décembre et je vais vous montrer les créations que j'ai effectuées au mois de novembre. Mais en toute modestie, hein, je suis pas là pour péter au plouc mon cul pour dire ah, t'as vu ce que je t'ai fait à moi, toi tu sais pas autant. Hein. Non, c'est pas mon délire ça, parce que je suis quelqu'un qui a pas du tout confiance en soi, donc pour moi tout ce que je fais c'est de la merde. Donc je suis là juste pour avoir des avis extérieurs déjà aussi, parce que ça fait toujours plaisir, même si vous êtes tous tout le temps adorables, donc du coup ça me... j'en sais pas plus. Et non, c'est juste pour le plaisir de partager, c'est tout. Donc voilà, c'est une vidéo juste pour ça. Alors je m'excuse, hein, pour les nouveaux arrivants, vous allez peut-être vous... me connaissez pas forcément, hein. Mais je fais beaucoup de blabla. Mais du blabla qui veut rien dire. Et encore plus de ça, je suis très grossière. Alors je m'excuse. Trop de blabla tue le blabla. Et c'est pour ça que mes vidéos sont trop longues à chaque fois. Donc juste une petite apostrophe vite fait avant, je voulais vous parler du concours qui m'a énormément fait plaisir parce que vous êtes pas mal enthousiaste. Le fait que j'ai changé les règles du jeu, ça a pas l'air trop de vous emmerder plus que ça, au contraire. Je crois que ça vous préférez peut-être même. Donc tant mieux, j'ai envie de tenir. J'ai pas eu beaucoup de participation, mais le si peu que j'ai eu, c'est... Oh, wow. Mais bon, après, je m'en fais pas, je sais qu'il reste une dizaine de jours et la plupart des gens s'y prennent à la dernière minute, donc je sais que je vais en avoir encore un petit peu plus d'ici là, mais rien que là, c'est un truc de fou, quoi. Et j'en profite aussi pour dire que j'ai fait un petit concours sur Facebook pour gagner un petit bijou, si jamais ça vous dit. Hein. Voilà. Ça se fait. Dans les créations que je vais vous montrer, j'ai fait énormément de tutos. C'était le mois des tutos. J'ai fait plein de tutos. Alors attendez-vous à avoir des avalanches de vidéos sur les tutos. Bon, je vais pas tout vous poster d'un coup, sinon ça va être monstrueux. Parce qu'en plus, j'ai sur cette chaîne-là, mais j'ai plein de tutos sur la deuxième chaîne. Et je vous ai enfin fait des DIY sur ma troisième chaîne. Je vous jure, ce mois-ci, j'ai pas chaud, mais ma caméra, elle a eu mal. Et donc ouais, du coup, bah, ce mois-ci, c'est Noël, hein, c'est le mois de décembre, donc attendez-vous à avoir plein de tutos super faciles, super simples, hein, vraiment des trucs très ludiques. Moi, j'ai fait plein de tutos pour mon sapin de Noël, en fait, c'est des décos pour le sapin. Mais après, vous en faites ce que vous voulez, vous, bien sûr. Hein. Et sur les DIY, c'est pareil, ça concerne Noël, quoi. On est au mois de décembre, forcément. Donc voilà, j'ai fait plein de petits trucs comme ça, donc attendez-vous attendez-vous à avoir plein de vidéos, une avalanche de vidéos sur les trois chaînes. Et hop, ça y en fout. C'est compliqué, mais je vais y arriver. Après le mois de décembre, après je serai tranquille, je vais un peu plus souffler. Enfin bref, allez, vas-y, j'arrête de blablater et je commence tout de suite avec les créations du mois de novembre. Mais comme je vous ai dit, j'ai fait plein de tutos. En fait, vous vous souvenez de mon petit souci que j'ai eu sur YouTube où j'ai eu plein de vidéos qui ont été supprimées. Toutes mes petites techniques que je vous avais montrées, et ben je les ai tous refaites. Ouais. Donc le premier c'était la technique de la du truc géométrique trompe-l'œil. Donc voilà, je vous ai fait celui-là en tuto. À chaque fois j'ai fait essayer de faire deux exemples, mis à part pour celui-là parce que bah, il y avait pas grand intérêt, un seul suffisait largement. Donc voilà la technique du bijou géométrique trompe-l'œil, comment on peut dire. Enfin voilà quoi, vous avez vu ce que c'était. Donc voilà, ça c'est fait. Ensuite j'ai refait la technique du bargello. Ah, viens là. Le petit bargello comme ça. Voilà, avec ma version à moi. Ensuite j'en ai fait un autre pour vous montrer un deuxième exemple. Donc du coup là j'ai fait un peu plus bariolé quoi, un peu plus tape à l'œil. Et j'ai mis plein de couleurs. Et il y avait la petite bague décalée avec. Voilà, assortie. Mmh. Ensuite, la troisième technique que je vous avais montrée, c'était la technique du bargello. Bargello, bah non, elle est déjà passée. Pff, pardon, excusez-moi. De la technique de l'ICAT avec l'extrudeur. Donc j'ai fait une version bleue, comme ça. La bague et les boucles d'oreilles. J'avais pas assez pour faire un collier, c'est dommage. Hein.
Je sais pas si vous allez voir, il y a plein de petits stries. Voilà, c'est la technique délicate, elle est comme ça. Et j'en ai fait une art sur rose. Là, il y a la petite bague, pareil. C'est la technique délicate, mais avec deux versions différentes. Voilà, je voulais vous montrer deux petites versions. Il y a les boucles d'oreilles. Et le collier. J'ai voulu changer un peu le collier. Voilà. Et donc du coup, j'en ai profité pour vous faire une quatrième technique que je ne vous avais pas montré encore jusqu'ici. Donc moi, j'ai toujours appelé ça... On m'avait réclamé ce tuto-là il y a très longtemps en plus, donc il fallait bien que je le fasse. Hein. Donc j'ai toujours appelé ça la technique de la pâte déchirée. Mais en fait, ça a un nom, c'est le watercolor mosaïque. Donc je vous ai fait deux versions, ces deux-là. Donc là, je vous montre les colliers. Je vois rien, j'espère que je suis cadrée. Voilà. Donc là, les petits colliers. Ensuite, là, j'ai... Viens, ne tombe pas, toi. Je vais y arriver. Les boucles d'oreilles. La bague. Toujours avec cette technique-là, j'ai fait un autre collier. Une grosse bouboule. Toujours mes bouboules. J'ai fait plein de bouboules. Là, c'est avec la... Attends, j'ai mal au bras. La technique de la pâte déchirée. Voilà. Il y a le petit bracelet. Alors, des bracelets comme ça, j'en ai fait une... Combien? 4, je crois. Je me suis amusée à faire plein de bracelets comme ça, en bouboule. Avec des perles entre deux. Donc là, c'est... vous n'allez pas bien voir aussi. Juste une, hein. Voilà. Qui sont assorties. Et donc, avec l'autre version, il y a la bague, là. Comme ça, et le bracelet. Les bracelets, c'est con, je peux même pas les garder pour moi, ils sont tous trop grands. J'ai des poignées d'enfant, du coup, c'est trop grand. J'ai fait la taille normale, les dimensions classiques, et pour moi, c'est trop grand. Moi, je peux mettre que des bracelets pour enfants. Super. Donc voilà, le petit bracelet, comme ça. Avec la technique de la pâte déchirée. Voilà. Et après, je vous ai fait plein d'autres tutos, mais je vous les garde secrets parce que c'est pour mon sapin de Noël, donc je vous montrerai les tutos que je vous ai fait en vous montrant en même temps mon sapin que j'ai toujours pas installé. Bon, on a le temps encore, non? Mais dans les tutos aussi que je vous ai fait sur la seconde chaîne YouTube, je vous ai fait la canne flocon de neige. Donc déjà, il y a ce collier-là. Avec la canne flocon. Il y a ce collier là. Je voulais faire une espèce de petite boule, mais c'est trop raplapla. Le flocon. Recto verso. Voilà. Avec la petite boule sur la chaîne. Une petite perle hein, avec des flocons aussi. Qu'on verra pas forcément. Bon, on voit vite fait quoi. Encore un autre collier. Avec la même grosse perle là. Sur un support flocon de neige, autant qu'à faire, autant que ça aille ensemble, hein. Voilà. Une paire de boucles d'oreilles, bouboule. J'ai fait plein de bouboules ce mois-ci encore. Voilà. Et la bague. Oh putain, vous êtes vachement loin, j'ai mal au bras. Attends. Voilà, j'ai chaud en plus. Ensuite, j'ai fait la technique du Moku Megane, donc avec le collier, tout en bleu. Je reste toujours avec du bleu, c'est dingue, je fais beaucoup de bleu. Hein. Oh. Petite boucle d'oreille comme ça, en forme de médiator. Ouais. Et encore un bracelet avec des bouboules. Et celui-là, par contre, je l'ai fait sur du ruban élastique. Bah, pareil, il y a, tu vois. C'est deux fois trop grand. Donc là, avec le Moku Megane. Ensuite là, le sujet, je suis dégoûtée parce que je l'aimais trop. Mais je l'ai cramé. Je suis dégoûtée parce que j'aimais bien les couleurs mélangées ensemble. Là, ça faisait trop joli. Regarde toutes les petites... Bah, il a carrément cramé quoi. C'est con parce que j'aimais bien les couleurs, ça faisait joli.
Faudrait que je la recommence. Parce que oui, j'ai fait énormément de parures ce mois-ci. Parce que d'habitude, je fais que des colliers, que des colliers, que des colliers. Et là, j'ai voulu faire des parures tout assorti. Et du coup, là, il y a les petites boucles d'oreilles. Il y a les boucles d'oreilles qui sont restées nickel. En forme de médiateur. J'aime la guitare, oui. Voilà. Reste de l'autre côté. Voilà, du coup, bah, avec les boucles d'oreilles que je peux garder, le collier, je suis obligée de le foutre à la poubelle, quoi. Je suis dégoûtée. Ensuite, j'ai refait ma petite canne léopard. Ça faisait une éternité que je l'avais pas faite, celle-ci. Et pour délirer, eh ben, j'ai fait un Playboy léopard. Un petit Playboy léopard. Et accompagné du bracelet, bien sûr. Et là, ce bracelet-là, c'est le seul qui me va, je crois. C'est le dernier en plus. Mais je crois que c'était le... ouais, c'était celui qui m'allait. Enfin, vite fait, parce que je peux le mettre sans enlever le fermoir. Hein. Enfin, on s'en fout. Voilà le petit bracelet léopard avec le collier Playboy léopard. Et toujours avec le léopard et avec le Playboy aussi. J'ai fait un petit collier comme ça. Voilà. Un Playboy léopard encore. Ça change. Voilà. Et avec, il y a les petites boucles d'oreilles bouboules. Pour pas changer, les petites bouboules. Et la bague. Voilà. Et ensuite, pour finir, la dernière parure. Alors, je l'ai appelée Nuit d'or. Voilà. J'en avais fait une il y a longtemps. Il y a quoi, 3 ou 4 mois, je sais même plus exactement. Mais en noir et argent. Et là, je l'ai fait en doré. Les voisins, ils foutent du bruit en ce moment, c'est dingue. Bon, bref. Vivement qu'on achète une maison. voilà, nuit d'or. D'or. Parce que la nuit, on dort. C'est un petit jeu de mots. Voilà, c'est doré et noir. Et les boucles d'oreilles bouboules. Des petites boules. Avec les perles bicolores, noires et dorées aussi. Comme sur le collier. Range tout dans la petite boîte. Ensuite, j'ai fait des bijoux sans fimo, sans polymère. Donc là, un petit bijou de sac, le seul que j'ai fait ce mois-ci. Et le seul que je peux faire en doré. J'ai pas d'autres mousquetons dorés, c'est le seul et unique. Et donc voilà, j'ai fait en bleu et doré parce que pour changer, parce que souvent le doré on l'associe avec du noir. Je me dis, non, on a trop vu noir et doré. Bah, la preuve, j'en ai fait un juste avant. Donc là j'ai voulu mettre du bleu et ça fait une ambiance un peu orientale et je trouve ça super joli. Mais après si la personne qui veut m'acheter le bijou de sac et elle n'aime pas le bleu, moi je peux changer, il n'y a pas de souci. Hein. Bref, alors j'ai des petits rubans. Alors comme pour ceux qui le savent, j'aime bien associer plusieurs rubans différents. Donc là il y en a un satin, un organza et puis là bah, j'ai rajouté une petite plume pour changer. Donc là j'ai une petite fée clochette, une petite fée. Et dans les ailes j'ai rajouté des microbilles, mais il y en a qui sont parties, il faudrait que je les remette. Des microbilles bleues. J'ai une petite goutte en verre avec des... oui, c'est du verre. Oui, je crois. Avec de la feuille d'or et une grosse perle bleue turquoise à saver qui va avec les rubans. Oh, cherchez le dos. Et là, j'ai le soleil qui me coupe la tête. Donc là, ensuite, j'ai fait 3 bracelets donc à mettre ensemble ou séparément, c'est comme on veut. Donc sur de la suédine. La suédine noire. Donc j'ai une petite plume. Et au bout de chaque extension de chaîne, les 3 c'est les mêmes, j'ai une petite perle noire. Toute simple. Donc là j'ai la petite plume. Là j'ai Love. Et là j'ai un infini. Infinity. Non, infini. Le signe infini, oui. Et c'est pareil, j'aurais bien voulu les garder pour moi, mais ils sont trop grands. Faudrait que je refasse pour un spécialement rien que pour moi. Voilà, à porter ensemble ou séparément, après c'est comme on veut. Donc ensuite, là au début je voulais en faire un pendentif. Et puis après je fais, oh non, ça va être trop bien mon boucle d'oreille. Et en plus, oh non, je veux les garder pour moi. Je les adore, c'est mon petit coup de cœur. C'est pas grand chose, c'est tout petit, c'est tout simple, c'est tout mignon, mais moi j'adore. C'est des petites boucles d'oreilles comme ça en fait. J'ai mis tous les anneaux fermés que je possédais en argent. Et du coup, bah là ça fait du plus petit au plus rond. Et j'adore. Tout con, tout simple, y a rien de compliqué. Mais j'adore le résultat, ça fait trop bien. Bon, j'ai déjà des boucles d'oreilles, c'est pas grave. On va mettre 2 dans le même trou.
ce que je faisais quand j'étais plus jeune. Deux dans le même trou, allez. J'aime bien quand c'est bling. Ouais, voilà, c'est mes petites boucles d'oreilles, je les aime bien. Je les garde pour moi. Je porte jamais les bijoux que je vois. Ça, c'est un truc dont je déteste. Quand je vois une personne qui a le bijou porté et qui se permet de le vendre, et après elle dit que c'est neuf. Non, excuse-moi, c'est pas neuf, c'est d'occasion, tu l'as porté. Hein. Après, c'est chacun son point de vue, mais moi, je peux pas acheter un bijou qui a déjà été porté. C'est pas possible. Mais après, je juge personne. Hein. Attends, parce que je vais m'en prendre plein la gueule encore. Non, enfin, c'est juste mon point de vue. Après, c'est, voilà, c'est chacun son truc. Hein. Ouais, bref, on s'en fout. Donc, ensuite, j'ai ce petit collier-là avec des encres piñata bleu et vert et un effet craquelé. J'adore. Je vais mettre un coup de résine pour que ça fasse encore plus brillant. Mais j'adore. Je l'aime beaucoup, ce petit collier-là. Il est assez grand. Assez... C'est un raid-cou en plus, parce que c'est de la suédine aussi. Donc ça fait un peu un raid-cou. Je l'aime bien. Il reste simple en soi. Surtout le niveau montage, hein, je me suis pas cassé la tête, mais je l'aime bien. Ensuite, là, c'est une image que j'ai trouvée sur internet et je dis oh, c'est excellent pour ma maman, elle va trop adorer. Donc, du coup, je l'ai fait pour ma maman. Un petit plastron comme ça, tout en bleu turquoise dégradé. Ça va du gris au turquoise. J'ai fait un petit dégradé comme ça. Voilà. Et encore un poil de chat. Oh là 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 là. Sacré chaton. Bref, voilà, j'ai fait comme ça. Et avec un espèce de petit effet cuir. Et derrière, j'ai tout patiné en... avec du perlex. Je sais pas si ça se voit. Voilà. Et donc là, pour finir, c'est rien du tout, c'est pas grand-chose. Je m'étais lancé le défi le mois dernier de faire une création gourmande chaque mois. Parce que la gourmandise et moi, ça fait deux. C'est pas du tout dué avec la gourmandise. Donc je me suis lancé le défi de faire une création gourmande tous les mois. Donc là c'était Noël, donc j'ai fait des petits cupcakes de Noël. Donc il y en a déjà un qui a disparu, parce que en fait j'ai posté la photo sur Facebook, j'ai dit les 5 premières personnes qui commanderont sur ma boutique auront un petit colis en cadeau. Et donc du coup il y a déjà une personne qui a commandé et il y a un colis en moins. Bref, il m'en reste encore 4, donc vous êtes au courant. Si vous commandez sur ma boutique, les 4 premières personnes qui commanderont auront un petit cupcake en cadeau. C'est vraiment pas grand chose, hein, mais... Je rajouterai quand même un autre cadeau. Je rajoute toujours des cadeaux dans les commandes. Là, c'est juste un petit plus. Voilà, quoi. Du coup, vous avez 2 cadeaux. Waouh. N'importe quoi. Donc, il reste le petit bonhomme de neige. Le flocon de neige. Le sapin de Noël. Et Monsieur Papa Noël. Version cupcake. Oh, j'ai galéré encore une fois avec les cupcakes. Pour faire la chantilly. J'ai pas de douille à chantilly. J'ai pas de poche à chantilly. Là, je sais plus comment ça s'appelle, ce truc-là, on s'en fout. Et du coup, en fait, la petite douille, c'est une petite douille en plastique de merde. Et je la mets directement sur le pot de peinture. Enfin, sur le pot. Le tube de peinture, puis pff, j'appuie dessus. Et ça gicle de partout. Oui. C'est une galère. Oh! Je sais pas, en fait, je me suis lancé le défi de faire une création gourmande chaque mois, mais je sais pas si je vais tenir le coup parce que c'est une catastrophe à chaque fois. Pardon, une catastrophe à chaque fois. Enfin bref, voilà, j'en ai fait, là j'ai fait 5, mais il n'y avait plus que 4 petits cupcakes sur le thème de Noël que je vous offre en cadeau pour l'achat d'un bijou sur ma boutique. Voilà. Et c'est fini. J'étais emmêlée. Elle m'énerve cette bague-là, tout se coince dedans. Bon bref, voilà, j'ai fini avec cette vidéo. Si vous voulez d'autres tutos, n'hésitez pas à me demander. Je vous ferai avec grand plaisir sur ma seconde chaîne YouTube qui est dédiée à ça. Ici, je vous fais des tutos surtout concernant les techniques. Après, les tutos en tout genre, c'est sur la deuxième chaîne. Voilà. Donc si jamais vous voulez d'autres idées, d'autres tutos, etc., 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 dites-le moi, n'hésitez pas, faites-le moi savoir. Il n'y a pas de souci, je vous ferai ça. Je suis très longue, comme pour vous répondre, je suis très longue, mais je finis toujours par le faire. Je n'ai qu'une parole, je ne reviens jamais en arrière. Bref, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, qu'elle a été bien plus longue que prévu. Comme d'hab, pour pas changer. Et plus ça va, plus le soleil, il... Comme ça, on voit mes yeux verts, ouais. Pff, bon, bref, je vous fais plein de bisous, on s'arrête là, c'est une catastrophe, là. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo.